le dernier opus de cette saison, c'est en Angleterre que je vous amène dans le château de Lord Walton qui s'apprête à marier sa fille Elvira. Mais bon, nous sommes à l'opéra et donc forcément, ce ne sera pas aussi simple que cela. Basé sur une histoire réelle, les Puritains sont en quelque sorte un mélange plus qu'étonnant de deux œuvres célèbres, Roméo et Juliette et Lucia de la Mermor. Ainsi, Arturo, le futur époux, est soupçonné d'infidélité et de trahison, ce qui conduit son aimée Elvira à sombrer dans la folie. Bellini use ici toute sa virtuosité. Il nous transporte dans un univers de rêves et de passion et il intègre dans cette partition quelques-uns des airs les plus exigeants et les plus périlleux du répertoire. C'est sous la baguette de notre directeur musical, le maestro Speranza Scappucci, que s'illustreront entre autres l'incroyable Lawrence Brownlee, qui maîtrise à merveille le registre du suraigu, mais aussi Susanna Markova, une artiste époustouflante. La mise en scène de Vincent Boussard, à la fois élégante et sobre, crée tension et émotion. Elle est sublimée par des éclairages contrastés et des projections oniriques. Quant au costume, ils sont signés Christian Lacroix. Alors rejoignez-nous pour cet immanquable dernier rendez-vous de la saison du 16 au 28 juin. Quant à moi, je vous souhaite d'ores et déjà un très bel été.